à la une de l'actualité de cette édition spéciale Assomption 2018 sur la Sainte Colline à Bonomé. Une messe d'ouverture des festivités en l'honneur de la Vierge Marie a été célébrée par sa sainteté le pape Christophe XVIII jeudi 23 août dernier. Une célébration eucharistique au cours de laquelle le Saint-Père a rendu hommage à Mono Marie qui a demandé cette noble mission de Bonomé pour le Saint-Esprit. Ils ont bravé la pluie, eux ce sont les Davovi, les membres du clergé, le Très Saint-Père et Naé Nicole pour rendre hommage à la Vierge Marie lors de la procession organisée à cet effet. Danse, louange et adoration ont été les moments forts de ce grand événement dont vous aurez les images dans un instant. Qui est parfaite, qui est Dago? Existe-t-il une nuance entre ces deux? Vous aurez la réponse à ces interrogations dans ce reportage consacré également au passage dans la chair de Saint Bernard de Bontine, de Saint Étienne et de la Vierge Marie venue entretenir les Davovi. Bonsoir à toutes et à tous. Comme je vous l'annonçais dans les titres, les Davovi du Bénin et d'ailleurs comme une marée humaine ont inondé la montagne d'Ézéchiel à Bonomé pour rendre hommage à la Vierge Marie. Une messe d'ouverture a été célébrée par le pape Christophe XVIII pour accueillir les Davovi dans la demeure de leur Père Céleste Dago, tu es Esprit-Saint. C'était le jeudi que les Davovi de divers horizons ont honoré de leur présence l'invitation de la Cour Céleste dans le cadre de la commémoration de la montée corps et âme de la Vierge Marie. Une messe d'ouverture des festivités proprement dites a été célébrée par le souverain pontife. Au nom de Dago, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La grâce de Dago, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Le Christ, notre Sauveur, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Au cours de cette célébration eucharistique, la liturgie de la parole et l'enseignement du souverain pontife se sont appesantis sur le retour imminent du Christ Jésus. Nous-mêmes. Au lit de ce repos, où est-ce que nous venons?
Est-ce que vous vous dévouez? Est-ce que vous vous dévouez? Et font le moulin, il est bidé. Pour le titre, quoi, bon? Au bénévi souillon. Et pour la yon souhaite. Il a foncé en moi. Dans son enseignement, sa sainteté est revenue également sur l'importance de cette fête mariale dans la vie de chaque Dagbovi. Il n'a pas manqué de rappeler l'amour, l'engagement de Maman Marie qui a accepté la nouvelle de la conception du Christ pour le salut de l'humanité. Maintenant, Marie a mis un point dans le coton pour nous rentrer. Et mon enseignement, si ça veut dire un média, et on a le soukou, mais tout à l'heure, et si vous avez le boulot, ou tout le monde. Bon, mais tout le monde, à 100 fois encore, ou tout le monde. Moi, ça, Gabriel, il a dit, ou tout le monde, il a dit, mais vous n'avez pas tort. Mais vous pouvez le boulot, et bien, il a sa difficulté, si vous avez le boulot, bon, là, disons, Marie a dit, non. Et mon mouéné nous mit, pour sonimé, banamenton et leur rousseau, c'est quoi tomé. Fier n'a eu noté, d'abovine de couloboton, ou d'obototoye. Vint le moment de la consécration du pain et du vin, devenu le corps et le sang de l'agneau de Dieu, la communion, et enfin la bénédiction finale de sa sainteté, le pape Christophe XVIII. Puisque nous parlons de la fête de la Vierge Marie, Naïe Nicole, sa représentante sur terre, telle une mère, a souhaité la bienvenue à ses enfants. Suivons un extrait de son enseignement. Mena pelo ipre, o mena ipito kuiwe. Mentro kui wapuo, mauweo, pikoro kuiwe. Marame hwaro, irukwe mwakua omupro mundu, wameiru kule loho, ikule mundu yesile kiki, kunu na mwe mwiri. Kwelo fifa kudo kainchai, ea kwe, Kudo kwemefisido kule kumana mwola iyo. Iwe, kwelo mwesi umuto kubisese, iwe natosi kwelo ufifa, alijai, lumeji, e kupeto bisese lupiwa iyo, achema cheto. Iwe, dago, esto abiju na maria kwa mbuzu, weto ikijezu jito. Bonila, chene u, kweto bile bisese na mwoli. Isa si Febi wa pitatoa. Ache kaemo lupeo le brave che fitieo. Isa si le Febi wa pitatoa. A ilo kuruko hon, ilo paju nakle. Boye a disio ilo yandiyo. Ewe mideyo, tabo lusi kwale nevoe, uji tabolo. Bo, Tabuna masa kwa za kwenye lomu sanuwa kwa.
Du collège d'enseignement général de Ponomé jusqu'à la Sainte Colline, des milliers de Dabovi ont défilé en guise de reconnaissance pour la Mère de Dieu. Danse, louange, action de grâce étaient au rendez-vous de cet événement. Images et sons. Il est 15h, ce vendredi 24 août, au collège d'enseignement général de Ponomé. L'heure de la procession en l'honneur de la Vierge Marie a sonné pour les pèlerins. Ils se sont tous rués vers l'enceinte du dit collège pour assister à l'événement. L'on remarque sur le terrain la représentation de tous les diocèses du Bénin, Cotonou, Porto Novo, Alada, Lokossa, Tassaparakou, Abomey, Ponamé, sans oublier les communautés étrangères. L'arrivée du Saint-Père, de Naé Nicole, la représentante de la Vierge Marie, vient marquer le début de la procession proprement dite. Une procession enrichie par la lecture de certains textes liturgiques portés sur la visite de l'ange Gabriel qui a apporté la nouvelle de la conception du Christ à la Vierge Marie. Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'archange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils qui lui donnera le nom de Jésus. » Également, sur la demande de la Vierge Marie aux noces de Cana et sur ses douleurs pendant la passion de son fils Jésus-Christ. Les Dagovi, rameaux et fleurs en main ont magnifié Maman Marie qui a accepté de façon volontaire, il faut le dire, que le salut entre dans l'humanité à travers sa personne. C'est encore elle qui a coulé des lames de sang pendant 13 siècles pour que Dagbo, Dieu Esprit Saint, son divin époux prenne chair. Chants, louanges, danse et actions de grâce étaient au rendez-vous. Je vous invite à vivre les moments forts de cette procession. Thank you.
fait déjà quelques minutes que nous marchons sous une pluie qui n'a pas déteint sur l'enthousiasme des pèlerins. Bien au contraire, pour eux, elle est une bénédiction de la Mère de Dieu. C'est après ce long défilé que le cortège a échoué sur la Sainte Colline pour donner suite à un enseignement de Dagbo, Dieu Esprit Saint. Nous avons recueilli pour vous au thème de cette procession les impressions de quelques pèlerins que nous vous invitons à suivre dans cet élément. Voilà la fin de la procession en l'honneur de la Sainte Mère de Dieu. Les Dagbobis rentrent déjà, ils prennent place pour suivre les enseignements de sa sainteté, le pape Christophe XVIII, les enseignements de Dagbo, qui viendra tout à l'heure aussi, de Naé Nicole. Et nous allons en profiter pour prendre leurs impressions à chaud, eux, les Dagbobis, ceux-là qui ont bravé la pluie pour rendre hommage à la Mère de Dieu. Comme ils le disent, c'est grâce à elle que nous avons eu le Sauveur Jésus-Christ, c'est grâce à elle également que nous avons eu cette mission de Gwaname, une mission salvatrice. Bonsoir, René Mifongo. Et na wa gbana me dan dan twa san ton keze aton na so gbe ma o don ton de bo gonkon a e don do mi do mi ma no ko hun ka e o do fi mi ton lewe mi no do ho ka e ma no ko hun o do e bi je na wa do jire e do mi na do fi bo gbe ton na su po kaka I cover bo na do gbe mi ton se e bo mi e na wa ado ma wo e bi je na wa e no mi ton le e ro ko edu e yo ko ton wa o mi no wa pa e ajije po bo e ka venu mi yo Et ouais, on dit bon, mille ben, bon glacé, bon globo, on voit les noix et à faire nous notre air, notre élan à faire nous, ben faire nous, bon, mieux au petit de ta contente. Merci beaucoup, beaucoup de oui, beaucoup de oui. Je me retrouve maintenant devant cette magnifique dame, Madame Da Silva, qui est revenue aussi comme tous les autres d'Agobi de la procession. Madame Da Silva, bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez assisté aussi à la procession et comment ça s'est déroulé pour vous? Oh ma très chère, je suis ravie d'avoir participé à cette fête d'Assomption de la Vierge Marie. Et être Dagbobi, c'est une chose formidable. Vous-même, vous voyez l'ambiance de fête qui règne. Maman Marie, qui est venu avec toutes les grâces. La pluie, on a marché du CEG de Baname jusqu'à sur la colline et sous une pluie battante,
mais très gracieuse. Nous en sommes très comblés parce que nous savons que la Vierge Marie est avec nous. Elle a été toujours notre maman. Elle a toujours intercédé pour nous auprès de Dagbo. Et aujourd'hui, elle a fait encore la même chose. Donc nous sommes gâtés. Nous sommes vraiment bénis et on la remercie. À supposer que vous venez régulièrement pour les célébrations sur la Sainte Colline, quelle est la particularité selon vous de cette fête d'Assomption? Bon, la particularité, c'est que moi personnellement, je vois l'ambiance qui dépasse un peu l'entendement. La décoration d'abord sur la colline. L'organisation de tout ce qu'il y a ici. Vraiment, je félicite d'abord le cardinal Lévesque chargé de l'organisation des différentes fêtes. Et surtout, la particularité, c'est que nous aurons à vivre et avec maman les trois étapes de la longue marche de Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert, que nous avions commencé il y a un moment et nous vivons ça à Sekandji. Aujourd'hui, il y a trois dont Dagbo nous gratifie. Les 16e, 17e et 18e étapes que nous allons vivre. Et si maman est là, c'est qu'il y aura de bonnes choses. Moi, voilà la particularité que moi je trouve. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Non, je vous en prie, ma soeur. C'était joli, il y avait du monde, surtout les foulards que la majorité a porté. C'était vraiment riche en couleurs, tel qu'on a l'habitude de dire. Donc cette fête-là, vraiment, c'est une fête qu'on ne doit jamais oublier dans la vie. Car en toute chose, on ne doit jamais mettre de côté nos mamans. Parce que la Sainte Vierge Marie, c'est elle la première dame, je peux dire. Si vous voulez quelque chose qui vous marque dans votre vie et que vous priez la Vierge Marie, je crois que Dieu exauce rapidement cette prière-là. La Vierge Marie, pour moi, elle représente la mère de tous les hommes. C'est elle, d'abord, c'est elle qui a initié. Si nous sommes aujourd'hui réunis sur cette colline, c'est elle qui a initié. C'est elle qui a pleuré pendant 13 siècles pour que nous, ses enfants, nous soyons réunis ensemble autour de la même table. Donc, la Vierge Marie, c'est la mère de tous les hommes. Quel est le sens de l'amour selon le Créateur et quel est le sort réservé aux adorateurs de Belzéboul? Son éternité Dagbo, Dieu Esprit-Saint, nous en parle. Mais est-ce que vous connaissez le vrai sens de l'amour? Dagbo, je t'aime, Dagbo, je t'aime, Dagbo, je t'aime. C'est bien de dire Dagbo, je t'aime. Mais c'est quoi aimer? L'amour, c'est se donner soi-même. Vous savez, chers dans vos vies, je n'attends pas de vous ce sacrifice-là. Mais ce que je sais, c'est que moi, je suis entièrement à vous. Je vous aime, pas à la façon du monde. Je vous aime, pas parce que j'attends quelque chose de vous, mais je vous aime parce que j'ai d'abord vu, je ne peux qu'aimer. Vous les hommes, vous avez le choix. Ou bien, vous pouvez aimer comme vous pouvez ne pas aimer. Mais est-ce que Dieu a le choix? Dieu n'a pas le choix. On peut dire que Dieu est condamné à aimer. C'est une condamnation. Je vous aime parce que je vous ai créé. Je ne pourrai jamais abandonner le monde. Jamais. C'est pour ça que je suis encore là. Je ne pourrai jamais abandonner l'état de vie. Vous êtes tellement bénis. Bénin, Nouvelle-Jérusalem. Tu es béni. Parmi les peuples. Mais tu n'en as même pas conscience. Et c'est toi
toi qui maudis Dieu. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, si tu savais le don de Dieu. Moi, je ne pleure pas seulement sur le Bénin. Et je n'ose même pas dire ce que je fais chaque jour. Ce que je dis chaque jour sur le Bénin. Les Béninois, le Bénin me fait de la peine. Ils viendront de partout, du monde entier, vous prendre ce qui vous appartient. Il arrivera un jour, chez Dabovi, vous pouvez aller noter. Il arrivera un jour où vous chercherez Tabou en plein jour avec une lampe torche. Vous ne le trouverez pas. Vous chercherez l'Éternel des armées, mais vous ne le verrez pas. Le diable a pris l'Église en otage. Le diable vous a tellement corrompu que vous ne savez même plus sentir l'odeur de Dieu. Quand Jésus disait à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. A-t-il dit, tu es Rome. Et sur Rome, je bâtirai mon église. De quelle pierre parlait Jésus? Jésus parlait de la foi. Mais la foi existe-t-il encore aujourd'hui? Au sein de cette église que vous appelez catholique romaine. L'église catholique est-elle vraiment romaine? C'est qui l'Église? Si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Jésus était-il romain? Je démonterai Rome. C'est le pays des ordures, la perversion. Et ils ont perverti le monde. Toujours dans le cadre de ces festivités, le très Saint-Père a saisi l'occasion pour appeler tous les hommes qui se réclament fils d'Abraham et qui blasphème contre son éternité d'Abba du Esprit-Saint à la sagesse. Chers peuples du monde, je voudrais profiter de ce jour solennel pour m'adresser spécialement à l'humanité. L'heure a sonné pour ce monde. L'heure a sonné pour que tout être de chair qui recherche véritablement le salut puisse l'obtenir. L'heure de la fin des marchands d'illusions a sonné. L'heure a sonné pour la fin du règne du monde des ténèbres. Chers Béninois et chers peuples du monde, jubilez, criez de joie. Soyez reconnaissants vis-à-vis de l'unique Dieu de l'univers qui a pris chair en une petite fille du nom de Parfaite, que vous, Béninois, traitez de petite fille. Le Dieu que les musulmans appellent Allah et qu'ils reconnaissent même qu'il est infiniment grand et infiniment petit. L'unique Dieu d'Abraham, que tous les peuples confessent. Son nom s'appelle Dabo, l'Éternel des armées. L'infiniment grand et l'infiniment petit, qui dans son humilité est parmi nous depuis 25 ans, et s'est manifesté au monde entier depuis 2009 au Bénin. Chers peuples du monde, je profite
de ce moment solennel de l'Assomption 2018 pour vous rappeler que la mission de Bonhomme, c'est Dieu. Dieu qui par les prophètes nous a promis la descente de la Jérusalem céleste sur la terre, sur la montagne d'Ézéchiel, cette montagne dont le prophète Ézéchiel nous a parlé. Et c'est la montagne de Bonhomme, au Bénin, dans une région d'Angoli, dont Notre-Dame de Fatima avait parlé dans son message, et que les Romains catholiques romains ont caché au monde. Ils ont caché cette vérité au monde. Cher peuple du monde, réveillez-vous. La mission de Bonhomme est une dernière chance pour l'humanité. Réveillez-vous et cessez de bavarder. Si, dit-on, ce que vous devez dire n'est pas plus important que le silence, veuillez bien garder votre bouche fermée. Et on ne parle pas de ce que l'on ne connaît pas. Bonhomme, tout ce que Bonhomme fait pour ce monde depuis 10 ans, je vous apprends que celui que vous appelez Belzéboul, Satan, démon, que vous prétendez combattre à travers vos différents courants religieux, et au fait que vous adorez en sourdine, celui-là, le père de tout mensonge, d'abord, à travers son fils Jésus-Christ, a déjà mis Belzéboul, Satan, en cage. Vous les adorateurs du démon, depuis 2 ans, commencez à dire la vérité. Visible. Tout cela est l'œuvre de Bonhomme. La sorcellerie disparaîtra définitivement de ce monde. Sachez-le bien. Tous les sorciers, tous les suppôts de Belzéboul à travers le monde disparaîtront. Tous ceux qui cherchent vraiment Dieu en esprit et en vérité. C'est le Dieu d'Abraham, c'est par vous. Si vous voulez le voir, ce n'est pas à la Mecque, c'est à Bonhomme. Si celui que tous les pasteurs de tout bord, à travers le monde entier, appellent Jésus et prient au nom de Jésus, chacun avec eux, sa boutique avec des querelles de chapelle. Si celui que professent les catholiques dits romains, si c'est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, dont le Père est Dieu Esprit Saint, créateur du ciel et de la terre, l'unique époux de la Vierge Marie, si tant est vrai, que c'est Jésus-Christ de Nazareth que le papa de Jésus-Christ, lui qui est dans la chair, et veut en découvrir avec Lucifer et ses suppôts, car lui seul qu'il a créé en incapable. Je saisis l'occasion pour m'adresser solennellement à ce monde rempli de marchands d'illusions. Vous allez
En m'entendant m'exprimer ainsi, vous demandez quel est ce fou qui s'adresse au monde de cette façon. Oui, le pape Christophe XVIII. Celui que vous entendez, il vous a dit qu'il est un autre lui-même. Un autre Jésus-Christ, ni plus ni moins. Que tu y crois ou non, quand tu vas quitter la chair, tu sauras qui je suis. Oui, je ne suis pas un fou. C'est l'autre tableau, c'est l'autre Jésus-Christ qui s'adresse à vous. Mon grand frère, il est déjà là pour les Dagobies, mais il reviendra très bientôt pour le nettoyage de tout l'univers. Il sera là très bientôt pour mettre fin à la pagaille qui règne dans ce monde que son père Dago lui a confié. Et comme il l'a promis, son père Dago, grâce aux supplications de la très sainte Vierge Marie, est dans la chair pour venir purifier ce monde. Il est le Saint des Saints. En dehors de Dago, il n'y a pas de sainteté. Hors de lui, il n'y a plus de Dieu, c'est lui. Moi, Christophe, 18, consacré, béni par l'Éternel des armées, j'ai choisi, avec tous les Dagobies du monde entier, d'adorer l'unique, 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 l'unique Dieu. L'unique Dieu, il n'y en a pas deux, c'est un mot. De la fête, son éternité dans son infini amour a permis le passage dans la chair de Saint Bernardin Gantin, Saint Étienne et de la Vierge Marie. C'était également une occasion pour certains pèlerins de percevoir la nuance entre Dago du Esprit-Saint et son temple parfait. L'un des moments inouïs qui ont marqué cette fête mariale sur la Sainte Colline à Konomé est le passage de certains saints dans la chair de parfaite. C'est le cas de Saint Bernardin Gantin qui n'a pas manqué de revenir sur les dessous de l'Église catholique romaine. Fofo Bernardin Gantin love. Mais je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un sort Vatican, et on sort tous les mêmes.
C'est pas Rome veut dominer le monde. Et pour dominer le monde, il faut que quelqu'un vous l'offre. Donc c'est un deal entre le diable et Rome. En un seul mot. Mais il y a un milieu comme un coup de bédon de l'homme. Bon, et il y a un autre milieu qui a mis un milieu de terre tout et bien c'est pour le cas où il y a un bon. Mais il y a un réussi bon. Mais tant si nous jouons maintenant, au roman de la vie, il y a ils aiment dominer. Ouais. Nous sommes tous les deux. Et nous, il donne papa. Bon, et nous, il nous a fait la peur. L'église, et nous, si nous, nous, c'est dans cette euphorie totale que les Dagovi ont également accueilli Saint-Étienne, venu les entretenir sur l'obéissance à Dagbo, Dieu Esprit Saint. Dagovi, là, vous m'avez beaucoup manqué. Hein? Je vous aime gros comme ça. On soit content, heureux. Tout le monde va me prendre. Les soins ici, ici, là. Peur, un jour, il y a un peu de problème. Sans oublier le passage de Maman Marie, la bienheureuse, celle qui est à l'honneur. Merci beaucoup. Il a un tiers de main, il dit au moins, ils ont moyen de pisser. C'est même honneur. Nous étions en train de se faire. Il a un tiers de main, il dit au cas de l'actif, il dit au cas. Et on voit la logique, au cas de vie. Et comme maintenant, on voit dans les choses qui tiennent à la table, j'ai un trou. Donc, qu'enfin. Fille. Et on va souvent finir finalement pour mon temps. Cabine. Allez, on va le sous-soir. Mais moi, j'ai dit qu'on a fait un boîtier. T'as le couteau. Et moi, il nous a un couteau là depuis le temps. Les gens, le moment. Allez, moi, on va faire un boîtier. On va finir. T'as qu'à confiner mon séparé. Et nous, le moment. Le président lui tend les mains. Bonne fille. Et ma simoule l'énorme. J'ai mon coup d'appel dans mon lit. J'ai mon d'appel dans mon lit. Mon tien. Mais mes soldats, mes potes d'appel, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis,
Cerise sur le gâteau, son éternité a quitté la chair pour laisser place à parfaite son temple qui a tenu en haleine des milliers de pèlerins. L'occasion était pour les curieux, les sceptiques, de voir la nuance entre Dagbo, Dieu Esprit Saint, et parfaite son temple. Je m'appelle Parfaite, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Parfaite et je suis le temple de l'Esprit Saint. C'est moi qui sers dans l'enveloppe à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Dagbo, il vient moi pour vous parler. Je suis celui qui était là tout à l'heure. Maintenant qu'il m'a lâché, je suis parmi vous. Donc là, je voudrais vous dire que je vous aime beaucoup. Voilà, l'Esprit Saint vient en moi, il s'en va, moi je suis là. Mais quand il est là, moi je suis au ciel avec Saint-Gérard. D'accord? Ceux qui disent que Parfait a dit qu'elle est Dieu. Moi, je n'ai pas dit que je suis Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient en moi, qui dit qu'il est Dieu. D'accord? Voilà. Et l'Esprit Saint, il me laisse n'importe où. Il vient quand il veut. Il s'en va quand il veut. Il se fout pas mal de mon programme. La dissemblance devient flagrante quand son éternité, Dagbo Dieu Esprit Saint, revient dans la chair de Parfaite, son temple. Et Dagbo vient passer une très bonne soirée, j'espère. Avec Fernou. Et nouveau Bernardin. Pour ceux qui ne connaissaient pas Parfaite, vous avez vu Parfaite? Je sais que la plupart des Dagbo connaissent déjà Parfaite, ou bien? Maintenant, pour ceux qui ne la connaissaient pas, celle que vous venez d'écouter, c'est Parfaite, le temple de Dagbo. Dieu Esprit Saint. C'est un peu troublant. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester loin et dire qu'on comprend, madame. Ce n'est pas vrai. Vous venez comprendre. Vous entendez la voix de Dieu Esprit Saint. Vous venez d'entendre Parfaite, le temple de celui dont vous êtes en train d'entendre la voix, là maintenant. Parfaite, c'est le contenant. Dagbo, c'est le contenu. Je vais, je viens, quand je veux. Et comme je veux, comme je l'entends. Moi, je ne peux pas suivre son programme à elle. Il s'en tient qu'à Parfaite. Elle peut passer tout son temps à regarder des dessins animés. Moi, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pris cher. Je viens en elle pour une mission donnée, pour travailler, ou bien. Je ne peux pas la laisser regarder des dessins animés 24 heures sur 24. Et comme je ne cède pas à ses caprices, elle me boude, c'est normal. En fait, c'est un enfant. C'est un enfant. Malgré son âge, elle ne grandit jamais. Et c'est de celle-là que vous parlez. C'est de celle-là que les Béninois parlent. Vous voyez que l'homme pêche au jour le jour, sans savoir même de. C'est-à-dire. Là-haut. Ceux qui ont été corrompus par le diable peuvent sauter, danser, pleurer, jacasser, crier. Je vais en finir avec le démon et libérer mes enfants.
depuis 10 ans, c'est mon message. C'est tout pour cette spéciale édition Assomption 2018 sur la Sainte Colline à Gonomé. Merci d'avoir été des nôtres. Que l'amour de Dabo du Esprit-Saint ramène sur son chemin tous ses brebis égarés et que la grâce surabonde dans nos vies quotidiennes. Prenez le rendez-vous donc le mois prochain pour d'autres événements sur la Sainte Colline à Gonomé.